Qu'est-ce que tu fais avec ça dans la main? C'est quoi? Pendant que tu t'es fait masser, j'étais très sage. Et donc, tu as pris quoi dans la main? L'olivax. L'Olibot rempli de bonbec! Rempli de bonbec! T'es un coquin, tu veux quoi, un peu de Lollibox? Bon, t'as mérité, t'as mérité. Les fratés, je vous explique le concept de la Lollibox pour ceux qui ne connaissent pas. Tous les mois, vous recevez chez vous votre Lollibox rempli de nouveautés, de bonbons. Voilà, c'est génial parce que nous, c'est vrai qu'avec Manon, quand on part faire les courses, enfin, surtout Manon, quand elle part faire les courses, elle ne pense pas acheter des bonbons. Et ça fait toujours plaisir. Par exemple, là, on a amené avec notre Lollibox qu'on a reçu au Bahia, on l'a pris avec nous dans le bagage direct. On a dit, voilà, n'oublie pas la Lollibox. Parce que bah, de temps en temps, un petit bonbon, ça fait plaisir aux enfants, ça fait plaisir aux parents, à moi. Et voilà, c'est Lollibox qui fait ça, les fratés, c'est génial. Vous recevez votre box chez vous tous les mois. Vous n'avez rien à faire, c'est sans engagement. Et votre première box, elle est à 1 euro, les fratés. Les fratés, on est sur le site Lollibox. C'est ultra simple pour recevoir votre box tous les mois. Votre première box à 1 euro. Donc, c'est vraiment très, très simple. Voilà, vous venez ici, je profite de l'offre, vous cliquez, vous rentrez prénom, nom, adresse mail, adresse de livraison, code postal, ville, et vous cliquez sur j'en profite. Et elle est là, première box à 1 euro les fratés. Si t'étais plat, si t'étais pas. Fratés, je vous explique. Alors, Topo, hier, c'était pas la journée de Thiago et Manon. Hier, vraiment, ils n'étaient pas. On n'a pas aimé, on est parti sur une on île. Est on parti sur une île, ils n'ont pas kiffé. Moi, j'ai adoré personnellement. Tomito! J'ai adoré t'as pas l'île, donc adoré. J'ai fait des belles photos. Ouais, mais t'as pas non plus adoré. Je sais pas. Tomito. C'était sympa. C'était sympa. Mais plus que vous, quoi. Thiago, il faisait des allers-retours, bed, plage, il se baignait pas, il était pas content. Bon, bref. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé ça super sympa au niveau et photo, là tout ça. Là aujourd'hui, j'ai dit, allez, vas-y, je vais trouver un truc vraiment. Je vais les faire kiffer, ça va être leur journée. Bon, en tout cas, hier Angelina, bébé. Par contre, hier Angelina, c'était sa journée. Ouais. Hier Angelina, elle a vraiment kiffé. Elle aime bien la mer, mais Thiago, il a peur, comme moi, de l'eau. Et Angelina, elle a vraiment kiffé hier. Et moi, mezzo mezzo, ok? Aujourd'hui, j'ai dit, allez, vas-y, je vais les éclater. Non, un endroit très sympa. Je vais ça, les c'est éclater. Vraiment mon style, voilà, comme aujourd'hui, j'ai dit, je vais les éclater. J'ai trouvé un truc en dernière minute. Je lui ai montré, maman m'a fait, ouais, bon, on va voir. C'est peut-être un peu perdu. On est arrivé sur le lieu, maintenant elle parle toute seule. Voilà, elle parle toute seule. Donc là, direct, j'ai senti que ça allait être shooting photo. Toujours plus. Ça, c'est je shooting veux photo. Deux photos. Là, elle parle toute seule. Waouh, waouh, là-bas, waouh. Regardez, je vous fais un petit tour des lieux. On a la plage comme ça, super sympa. Là, la piscine là-bas. Aussi un peu le lieu. Allez les fratés, à 14h30, petite première partie de journée bouclée, piscine, plage, détente, excellent aujourd'hui où on était. Les enfants commencent à être fatigués, on va rentrer, ils vont faire la bonne sieste et on réveille de la sieste, deuxième partie de journée. Je ne sais pas encore qu'est-ce qu'on va faire, mais je pense qu'on va faire un truc un petit peu, je sais pas, un truc un peu du que j'ai du jamais vu, tu vois, genre un truc... un peu spécial. Je vais trouver. Le temps qu'ils font la sieste, j'ai 2 heures pour trouver. 2 heures pour me reposer. 2 heures pour trouver. Ça va le faire. Et en tout cas, c'était génial. Bon, en ce moment, ça fait en tout cas 2 jours qu'il y a un peu de vent. C'est un peu dommage, mais ça va. Du coup, ça fait un peu d'air frais. Donc, du coup, ça passe bien. Ça passe bien. En tout cas, pour le coup, c'était génial. On avait le côté plage ici. Et le côté piscine là-bas. Les fratères, on est rentrés à la maison. Manon, elle est partie faire la sieste tranquille avec Angelina. Thiago, lui, veut pas faire sa sieste. Ben voilà, on est tranquille. Cette piscine, je ne l'ai pas encore essayée. Et là, je suis trop rouge. Ah, faut que je stoppe un peu le soleil. Je pense que demain matin, je me fais le bon bain.
quoi, c'est génial ici. On est carrément dans la montagne. Regardez, je vais vous montrer. Carrément, on est dans la montagne. C'est un truc de dingue. Vous savez, les fratés, ça fait maintenant au moins 10 jours qu'on est là. 10 jours. J'arrive toujours pas à me régler niveau horaire. C'est un truc de fou. Le décalage, il est tard, plein de jours ici. Oh ouais. Putain, je galère. Genre là, il est 18h. Ah, si je m'écoute, dans 2 heures, je peux aller dormir jusqu'à demain. Quoique dans 2 heures, même dans 1 heure. Genre même maintenant. Mais bon, le problème, c'est que si je dors maintenant, je vais me réveiller à minuit, je dors plus. En fait, c'est trop dur. Je suis en forme le matin jusqu'à 15h. Après, je commence à être un peu fatigué. Et après, c'est parti. Je suis fatigué jusqu'au lendemain, jusqu'à temps que je dors. Putain. J'arrive pas à me régler. C'est un truc de dingue, ça. Et en tout cas, lui, bah, je suis venu plein d'ambition. J'ai dit, je vais faire du Muay Thai, je vais faire du sport, je vais faire du régime. Il y a tout qui est parti à l'abandon. Il est là, hein. Il est bien présent, ce coquin. Bah, j'ai pas hésité, non, ni deux, j'ai réservé. Hein. Ah ouais, bon, on fait de la route là, hein. C'est au moins 30-35 minutes de notre hôtel. Donc je sais pas vers où on se dirige. On y va. Je crois que carrément le chauffeur il est perdu, il parle en thaïlandais, je comprends. Hein. Bon. Et là il fait vraiment nuit de moi, on voit rien. Et du coup, Thiago, il a enfin eu ses sushis. Yes. Le bon bif. Allez les fratés, j'applique mon savon au lait de chèvre bio Made in France de la maison des sultans. Petite particularité, c'est qu'il y a de l'huile d'argan à l'intérieur et ça ne dessèche pas la peau. Allez,